Bien. Donc, j'ai pris la jeune fille. Je lui ai dit, mais pourquoi tu es parti à la maison? Non, on était bien, on vivait ensemble. Le monsieur était bien. J'avais promesse de mariage et tout, tout et tout. Il est allé chez lui au village. Et puis, il est revenu. Il boit, il est bizarre et autres. Moi, je ne peux pas supporter. Je suis allé à la maison. Il dit, OK, mais tu es chrétien? Il dit, oui. Hein, qu'est-ce qu'un chrétien peut faire avec un mari alcoolique? Qu'est-ce qu'une chrétienne peut faire? Moi, je vais prier et puis je rentre. Et puis dans la maison, c'est rempli d'alcool. Tu l'as marié, chrétien? Elle dit non. OK. Ma fille, ça, tout allait bien. Et puis aujourd'hui, il boit. Aujourd'hui, il fait ceci. Et puis tu ne comprends pas. Dis-moi à quel moment tout s'est passé. Il dit, quand il allait au pays, elle me dit, quand il allait au pays, il est revenu. Il dit, Yambo. OK. Et donc, le monsieur est derrière. Elle est partie, hein. Mais le monsieur, dans son ivrogne, là, il est toujours derrière. Pardon, il faut venir, les enfants sont là. Il faut venir. J'ai besoin de toi. Toi-même, tu dis que tu es chrétien. Ce qui m'arrive, je ne comprends pas. Il faut prier pour moi. Tu n'es pas dit que tu es chrétienne. Et ça, là, ça n'a pas attiré l'attention de la sœur. Je la regarde, le Seigneur ouvre mes yeux. Je dis, mais vous avez reçu ton beau-père, non? Elle dit, oui. La situation a commencé à s'aggraver après le passage de ton beau-père. Elle dit, oui. Je dis, ma fille, ils ont donné femme au pays à ton mari. Et lui, il t'aime tellement qu'il ne peut pas supporter, il ne veut pas prendre. C'est pourquoi son papa est venu réitérer qu'on t'a donné femme. Tu dis quoi? Et pour te faire partir, il faut qu'ils font ce travail-là qui va te faire partir. Et puis là, tu vois son visage et qu'il tire sa chaise et puis comme Michelin. Et elle a dit, hey, je ne suis pas venu pour prier pour quelqu'un. Et actuellement, moi, je ne fais pas de délivrance pour faire délivrance. Oui, les délivrances sont vers l'aveuglette. Hey, Jésus, je ne fais plus. Donc, ramène ton esprit. Seigneur, cet esprit, ramène son esprit. Quand quelqu'un n'a pas compris, ne fais pas de délivrance. Ramène-la. Puis elle est revenue en elle. Les gens sont là, regardent. La scène. Je dis, mais un homme qui court derrière toi. OK. Le Saint-Esprit me convainc que là-bas, à la maison, il a pris une servante pour tes enfants. Elle dit oui. Je dis OK. Tu as une fillette dedans? Elle dit oui, la plus grande. Elle doit être ta fillette? Elle dit oui. Mais l'enfant dort. Il est lié à ton père au point qu'il dort au lit. Cette jeune fille de 18 ans entraîne sexuellement ta fille au salon. C'est là qu'elle va me raconter pour dire que son mari dit qu'il a surpris une nuit, tout nu, et fait des photos dans tous les sens, tout nu. J'ai dit, pendant que je suis là, prends ton portable, ton mari au travail, écris lettre d'amour. Vite! C'est ça, c'est cette délivrance. Chérie, j'ai fait des erreurs. Tu m'as dit de venir. Je suis là, et là où je suis venu voir mes enfants, je ne bouge plus. Pas depuis que je suis parti là, tu me manques. Point. Au revoir. Non. Écris. Depuis quand tu lui as dit ça? Ça désenvoûte. Ça désenvoûte. Vous êtes là, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. À quel moment vous montrez à votre mari? Ce n'est pas le fait d'être nu, de vous coucher là comme si on vous a drogué. Ce n'est pas ça. Fais.
Si c'est ça que tu veux la faire, c'est pas ça. Changer de vie. Le monsieur même t'a chassé. Tu as raison. Et oh, envoie des missiles d'amour. J'ai dit cette nuit-là, demande à rester chez lui. Appelle-le devant moi dans son travail. Quand il appelait, le monsieur me voulait. Il dit, c'est ce que je veux. Et c'est pourquoi des fois vous passez 20 ans. Parce que quand cet orgueil n'est pas tombé. Mais moi-même, quand je vais lui dire que je l'aime là, comment il va voir ça? C'est ta chose. Vous avez deux enfants. On a besoin de votre vie. Je lui ai dit, attends, dans tout ça, combien de fois tu as dit ça? Elle est là, me regarde ma fille. Il dit, nia, 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 nia. Vous avez deux enfants. Le pasteur qui doit dire, qui vous dit que vous devrez vous séparer, c'est un sorcier. Aujourd'hui, l'église ne va pas chercher Marie, ça, c'est pas facile. Et où, les gens, même depuis enfant, dans le vent de la mer, les garçons sont occupés. Toi, tu as eu. Mais pourquoi il y a l'adoration qui existe dans le corps de Christ? Pourquoi il y a la louange? Quand tu dis Seigneur, je t'aime. Seigneur, ton amour m'environne. Seigneur, je ne sais pas quel garçon je peux aimer comme toi. Mais Dieu est flatté. C'est pourquoi il y a adoration. C'est dire reconnaître qui il est. Il faut reconnaître qui ton âme, ton mari est. Il faut être capable de dire, ah, tel jour on avait fait ça, mais ça me manque, je vois que tu ne fais plus ça au lit. Telle position, je ne vois plus ça, ça me fait du bien. Mais vous êtes dedans, tu ne dis pas au monsieur ce qui est bien. Tu dis au monsieur, tu es toujours, tu es un béni, oui, oui. Et puis tu es là. Vous êtes dans ça 5 ans, 6 ans, il ne sait pas ce qui est bon, il ne sait pas ce qui te plaît. Vous êtes dedans, bon, tu enlèves Christian, et puis c'est fini. C'est quelle vie ça? Tranquille, je dis, hey, va te laver. Va te laver. Va chercher un parfum. Va t'arranger. Et puis, attends, tu ne peux pas gifler. Quand un servante vient, elle dit, hey, tanti, tu vas quand? Tanti, tu vas quand? Jusqu'à les gens sont assis là, ils disent, hey, si tous les pasteurs étaient comme toi, aujourd'hui là, l'église, j'ai dit, tu as quoi? C'est pour toi, c'est comme moi. J'ai aimé mes chaussures, j'ai porté et j'ai payé, ça y est à la maison. Et puis les poussières sont dessus, j'arrive là, j'ai mes poussières, chaussures là. Qui va me juger? C'est les gens qui sont dehors. Un monsieur comme ça, il a chaussures poussiéreuses, il est dedans. Ton mari, tu ne peux pas lui dire. C'est lui qui doit dire tout le monde, c'est tous les jours, c'est lui qui doit donner des fleurs. Moi, tu ne me dis pas, je ne te dis pas. Et puis nous, on est dans ce silence-là. On continue. Ah! Mais il ne fallait pas voir la joie. C'est comme on a fait. Moi, je n'ai pas fait de livrage, j'ai ramené son esprit. Mais la joie qu'il a animée. Et autre, puis la dame est venue dire, hey, écoute-le, si tu l'as écouté là, moi-même, il est à mon foyer, il est comment aujourd'hui, il est chez moi. J'ai failli laisser tout ça là pour partir. C'est lui qui m'a conseillé. Aujourd'hui, à Gonzague, mais quand tu arrives, quand je suis arrivé là aujourd'hui, j'ai dit, mais je me sens en cocody. Puis je me suis retourné. Et ça là, tu allais faire profiter quelqu'un d'autre qui ne sait pas comment vous avez commencé. Soyez envoûtant au moins un jour.
c'est pas de, du démoniaque. C'est-à-dire que soyez courant. On met ton bagage dehors, tu mets dedans. On met dedans, tu mets dehors. Si ça te prend, mets-lui, mets ses bagages dehors. Et puis toi, c'est, vous avez quoi? Mais vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, l'homme même a honte de draguer une femme. De toute façon, vous avez honte là. Beaucoup d'hommes aussi ont honte maintenant. Hein. C'est pour ça qu'ils se complaisent avec les gens là. C'est pourquoi ils se complaisent avec les gens là. Ah, la soeur là, à l'église. Vous allez voir quoi, les frères sont là quand, et puis c'est dehors. Des fois, ils tombent sur les païens. Et quand il dit, m'approcher de la soeur là, qu'est-ce qu'elle va me dire? Et puis, il se promène, il bave, il se promène. Là où il trouve facilité, il rentre. Oh, tu as fait que il est allé prendre une mosse. Et puis demain, ça, c'est toi qui vas aussi le consoler. Mon frère, il faut aller. Pourtant, tu t'étais disposé, il n'allait pas avoir ce problème-là. Hein, des fois, regardez-vous aussi. Hein? Toi aussi, tu es allé jusqu'à... C'est ça là, tu as pris aussi. Mais c'est ça là, il va prendre parce que toi aussi... C'est là où ça m'est arrivé, là. C'est ça qu'il a pris. Tu n'as pas été disposé. Tu t'es montré comme. Et puis lui aussi ne voulait pas être comme. Il voulait rester là où il est. Donc il allait prendre. Et puis, c'est toi. Moi-même, si je suis avec toi, il dit, hey, comment j'ai été? Je n'ai pas été bien. Seigneur, aide-le. C'est tout. Ah, c'est comme ça. Allons-y. Toutefois, après l'enlèvement, oui, et durant la grande tribulation, le Saint-Esprit continuera de convaincre et de sauver. Mais j'ai eu mal parce que combien de filles vivent ça? Et puis, il n'y a pas d'hommes auprès d'eux. Tu es là-bas, tu dors où? Chez ton parent, là. Tu dors au salon. Tu vois? Tu dors au salon chez tes parents. Ton mari dort seul là-bas. Avec ton enfant. Et c'est la place de ton enfant.